Et oui, ce jeu est sorti sur PC. Je peux enfin mettre la main dessus. Ratchet & Clank Rift Apart. Et franchement, ça me fait super plaisir. Franchement, je vais pas vous le cacher, j'étais super déçu lorsque j'avais appris que c'était une exclu PS5. Et là, je peux enfin mettre la main dessus. Et oui, on est sur PC et regardez-moi ça. Cette claque graphique, les mecs, c'est un Pixar. C'est un Pixar, le jeu. Et je vous propose aujourd'hui la qualité de la muerte puisque le jeu tourne à plein pétard, les mecs. Hein. Ray tracing à balles et tout. Tout en full ultra. Et franchement, bah regardez ça, les mecs. Bah, la 4070, elle tourne mais comme un charme. Allez, vas-y. Fais péter. Oh, c'est énorme. C'est énorme. Je suis pas spoilé, les mecs. J'ai toujours refusé de me spoiler parce que je me suis dit, voilà, un de ces quatre, je vais le faire. Et ben, ce jour-là est arrivé. Eh, franchement, ouais, il est super beau, le jeu. Rends-toi à l'avant de la parade. Franchement, à l'époque, les mecs, Ratchet & Clank, c'était mon jeu préféré sur la PS3. J'avais fait, je sais plus comment il s'appelait. J'ai oublié le nom du jeu. C'était Ratchet & Clank quelque chose. Et franchement, mais je l'avais tellement poncé sur PS3, je l'avais fini deux fois le jeu. Deux fois. Je l'avais fini une fois en classique et une autre fois en mode extrême avec toutes les armes améliorées. Oui, parce que le jeu était rejouable. Oh, c'est énorme, les mecs. Mais regardez-moi ça, quoi, putain. C'est énorme. C'est feu d'artifice, quoi. C'est toute beauté. C'est de toute beauté. J'ai envie de chialer, quoi. Allez, vas-y. Monte, mon gars. Mais lui aussi, il était déjà dans Ratchet sur la PS3, là. Buzz l'éclair. Je l'appelle Buzz l'éclair. Ah, qui ressemble un peu à Buzz l'éclair, vite fait. Oh là, oh là, oh, le flag. Bien joué, mon gars. Oh, oh, j'espère que ça va être... mais comment qu'il s'appelait, les mecs, sur PS3, là? Ratchet & Clank, quelque chose. Putain, je vais devoir aller voir sur Internet, mon vieux. C'est pas possible. Opération Destruction. Et regardez-moi ça, mais comment ça tourne comme un charme, les mecs. Ah, je vous le dis, quand la 4070 Ti, elle est sortie, c'est une carte graphique qui a fait couler beaucoup d'encre, mon gars. Elle a beaucoup été critiquée et tout, au point que je regardais les vidéos, les mecs, je me disais, mais j'étais comme ça avant de l'acheter. C'est pas possible, je vais pas l'acheter, quoi. Avec tout le monde est en train de cracher dessus, tout le monde disait, ouais, c'est une carte graphique de merde, machin, c'est pas assez puissant. Le frérot, il me disait, faut plus être à 500 balles près, autant acheter la 4080. Mais mon gars, mais on n'est pas à 500 balles près, mais... mais t'es malade, le frérot, il me dit ça, il a toutes les cartes RTX dans son décor et tout, son décor c'est des processeurs, il a toutes les marques, il a collé deux i9 ensemble, il a fait un i18, il l'a collé dans son PC, mon gars. Bien sûr qu'on est à 500 balles près, du coup, bah, j'ai sauté le pas, j'ai dit allez vas-y, je prends la 4070 Ti, et franchement, regardez ça, ça marche mon gars, et tout tourne à plein pétard les mecs, hein. Plein pétard. Faut faire quoi là? Détruit les vaisseaux Blarg, avec quel... ça? Ah ouais. Oh là là. Oh là 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 là. Oh. Excellent. Ah, c'est vraiment... il est de toute beauté, le jeu, les mecs. C'est un Pixar, quoi. Voilà, ça y est. Ça y est. Les réflexes d'antan reviennent, les mecs. Les... je vais me péter la gueule. Les réflexes d'antan reviennent, les mecs. Ça y est. Oh l'enfoiré. Vas-y, je prends ça. Ça s'explose, ça. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, d'accord, c'est sûrement... c'était normal, les mecs. C'est scénarisé. Appuyez sur A pour franchir un obstacle. Bah, bien sûr. Je me souviens plus s'il y avait des slides comme ça sur Opération Destruction sur la PS3. Oh, comment qu'il était trop bien, les mecs. Mais il était énorme. Mais au fait, je vous ai dit que je pouvais passer de Ratchet à la plage en un claquement de doigts. Arrêtez. Mais non, ce n'est pas de la magie noire. C'est grâce au partenaire de la vidéo, Filmora 12. Et oui, Filmora 12 est un logiciel de montage ultra complet et très intuitif à utiliser. Et devinez quoi, dans leur dernière mise à jour, vous le savez, l'intelligence artificielle est au cœur de l'actualité. Et bien, Filmora 12 ont également leur intelligence artificielle. Et notamment, cette transition qui est la découpe intelligente. Ça caille ici. Et bien, grâce à Filmora 12, vous allez pouvoir la faire très simplement en 2-3 clics. Mais ce n'est pas tout, puisqu'avec Filmora 12, vous allez également pouvoir dessiner des masques. Mais vous avez également une toute nouvelle fonctionnalité d'audio intelligente. Avec cette fonctionnalité, vous allez pouvoir étirer votre musique dans votre timeline, mais de manière infinie. Et tout cela en faisant jouer la musique de manière totalement naturelle. Vous pouvez très bien étirer une bande son sur 500 km. Et bien écoutez, si vous voulez essayer Filmora 12 gratuitement, il vous suffit de vous rendre dans la description. Vous avez un lien. Vous allez voir, vous pouvez faire plein d'effets plutôt rigolos tels que celui-ci. C'est ouais, c'est marrant ça. Si, c'est rigolo. Ou alors celui-ci. Ouais, il est pas mal aussi celui-là, j'aime bien. Et bien merci encore une fois à Filmora d'avoir sponsorisé la vidéo. Je vous rappelle le lien dans la description si vous voulez essayer le logiciel gratuitement. Et ah oui, on retourne sur Ratchet. Vraiment terrible, les mecs. J'adore. Avec les petits trampolines et tout.
Ah bah oui, bah bien sûr mon gars. Bah oui, il peut toujours planer. Évidemment. Ouais, ultra stylé. Oh, ça, ça explose, c'est sûr. Et je vais pas me faire péter la gueule. Regardez-moi ça, le monde qu'il y a. Tiens, prends ça mon gars. Oh, mais tu peux tout exploser là-dedans, mais c'est énorme. Et franchement, ils envoient la sauce dès le début du jeu. Ils envoient le paquet, quoi. Oh oui, la 4070 Ti, c'est une carte graphique de merde. Vaut mieux acheter la 4080, mais... Regarde, mon frérot. Regarde ça. Ah bah ouais, mon gars. Ah bah, il a pas subi l'inflation, lui. Il est plus à 500 balles près. Quand tu vas faire ses courses, il prend deux caddies. Puis allez, autant remplir un autre. Ah, mon vieux. Non, bah attends. Eh ouais. Non, je vous raconte des conneries, les mecs, hein. Personne a dit ça, enfin. Pas exactement. Prends ça, mon gars. Franchement, la RTX, les mecs, elle marche du feu de Dieu. Regardez ça. Tout tourne à fond. Tout. Tiens, prends... Oh, putain, l'enfoiré. Wow, 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 wow. Mais qu'est-ce qui... Ok, d'accord. C'est lui qui me tire dessus, là-bas. J'avais pas tilté. Ah ouais, mon gars. Mais non. Oh, ça y est, les réflexes reviennent, les mecs. Les réflexes reviennent. Regardez ça. Oh, niveau supérieur. Pistolet rafale niveau 2. Oh, excellent. Les armes, ils reprennent du level up et tout. C'est ce que j'avais kiffé vraiment dans Opération Destruction. J'avais kiffé ce petit système de level up au niveau des armes. Arrivé vers la fin du jeu, t'avais des armes. Mais laisse tomber, mon gars. T'avais des armes énormes. Oui, on monte sur le tapis rouge, mon gars. Bien sûr que oui. J'avais préparé un discours, mais la parade étant manifestement compromise, j'irai droit au but. Ratchet, j'ignore ce que je serais devenu sans toi. Tu es mon meilleur ami, mon coéquipier. Clank. J'ai renoncé à beaucoup de choses pour... Ah. J'ai réparé le dimensionnateur. Oh. Que tu puisses explorer les dimensions et retrouver ta famille. Oh. Merci, oh. Clank. Écoute, je... Ok. Oh. Ah ouais. Docteur Nefarius, Ratchet et Clank. Quelle merveilleuse surprise. Docteur Nefarius. J'avoue que je ne m'attendais pas à vous voir ici. Vu que mes mercenaires étaient censés vous annihiler il y a déjà 8 minutes. Ouais, ah ouais, ça j'avais capté. C'est le truc pour voyager dans les dimensions différentes et tout. On va pouvoir explorer différentes planètes. Ah, ça a l'air vachement sympa. Je crois que c'est... il me semble que Ratchet & Clank Rift Apart, c'est le premier jeu qui est sorti sur la PS5. Qui exploitait à fond le SSD justement et tout. Bon là, du coup, j'ai pas installé le jeu sur SSD. Je l'ai installé sur un disque dur classique. Mais bon, bah, regardez les mecs. Que ça m'empêche de jouer. Je crois pas. Oh putain. Ah ouais, okay, d'accord. Ok. Elle est là pour changer de glissorail. Hein. D'accord. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est stylé, franchement, c'est excellent. J'adore. Oh, puis les animations terribles. Je vous dis, les mecs, c'est un Pixar le jeu. Franchement, il est trop bien fait. Ok. Non, qu'est-ce que... c'est pas ça qu'il faut faire? Faut faire quoi là? Ah ok, d'accord. Ok. Oh 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 oh. Bien joué. Belle réception. Oh là là, et puis tu sais, ça switch de la cinématique au gameplay et tout comme ça, sans transition. C'est énorme. Bienvenue chez Madame Zurcon, la seule boutique qui te permet de gonfler ton arsenal. Yes. Ah ouais, je prends mon gars, j'achète. Ok. Yes. Oh, on va pouvoir tester l'exécuteur. Oh 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 oh. Ah ouais mon gars. Ah ouais, il est violent l'exécuteur. Ah, il est violent l'exécuteur. Mais il est ultra violent mon gars. Ah oui, bah bien sûr, on peut toujours lancer sa hache. Enfin son espèce de marteau là. Oh là là. Excellent. J'adore. Et puis le jeu, mais regardez ça les mecs. Je crois que je vais me répéter, mais il est magnifique. Ça fourmille de détails. Les effets de lumière et tout. Ok, bon bah j'imagine que c'est par ici. Oh, qu'est-ce qu'il fait lui, tête verte là? Posez le dimensionnateur, Nefarius. Posez le dimensionnateur. Ouais, c'est ça. Il se fout de ma gueule en plus. Normal, sans pression. Ah, je crois que j'ai ouvert des mauvaises dimensions là. Ouais, j'avoue, ouais. Il se pourrait qu'il y ait un léger problème. Ouais. Non, mais t'as vu ça? Ah ouais. C'est vrai que c'est ultra stylé. Ok, d'accord. Ouais, c'est bon, j'ai capté. Putain, ce bordel là-dedans, mon gars. Des fois, tu sais même pas sur qui tu tapes, quoi. Ouais, si ça va, ils sont quand même un peu plus gros que les autres. Tu les reconnais.
Alors, piste rafale, pixeliseur, exécuteur. Pixeliseur, c'est quoi ça? Ok, je suis atterri dans une nouvelle dimension là. Ah ouais, ah le pixeliseur, mon gars, il. Ok. Ah bah, il pixelise, ok. Il pixelise tout ce qui bouge en fait. Regardez, ça les transforme en pixels. Ah, c'est excellent. Ah, ce niveau de détail, quoi. Ah, puis le gameplay, franchement, il est tellement fluide et tout. C'est agréable à jouer. Hein. Ah, ok, d'accord. Ouais, j'ai capté. Ouais, bien joué. Je fais quoi maintenant, moi, ici? Ok. J'ai capté. Oh, oui. Bien joué. Ouais. Oh, regardez. Opération Ninja, il me voit pas arriver, lui. Crac, mon gars. Allez, salut. Ota, mon gars. Attends, faut que je fasse quoi, là? Je peux faire quelque chose ici? Vas-y, j'achète ça. Bombe à dispersion, mon gars. Ouais. RT à 2000 lancés. Ok, et R à fond, lance. Bah, c'est pareil. Attends, 2000 lancés. Et lancé à fond. J'ai l'impression que c'est pareil, les mecs. Mais bon, c'est pas grave. Oh, le frérot, il est là-bas. Oh, mon gars, bien joué. J'avais pas fait ce sur PS2, en fait. Le seul que j'ai fait, moi, à l'époque, c'est ce sur PS3. Donc, opération destruction. Et franchement, ouais, j'avais kiffé. C'était mon jeu préféré sur la PS3. Il était vraiment trop bien. Bah, je l'avais fini deux fois. Une fois en mode classique et une fois avec toutes les armes à fond. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Niveau supérieur. Oh, yes. Oh là là, mon gars, mais cette guérilla là-dedans. Oh, c'est le fouillis. C'est le foutoir, les mecs. Franchement, je vous le dis, par contre, c'est le foutoir. Mais c'est un beau foutoir. Ok, Docteur Nefarious. Oh, putain. Ouais, t'inquiète, je vais y affaiblir ses défenses, tu vas voir. Ça va aller très vite, mon gars. Ah, faut que le skill revienne, les mecs. Faut que le skill revienne, hein. Ok. Voilà, là. Et franchement, je vais encore le répéter, les mecs. Hein. Mais regardez les effets de lumière et tout, là. Oh là là, mais les effets de lumière sont magnifiques, quoi. Je vais y balancer des bombes dans la gueule. Ça va y faire les potes, ça, un peu, mon gars. Oh, oh, merde, j'ai plus de bombes, les mecs. Ok. Il me reste le pixeliseur. Oh, ouais, stylé, putain. Je peux passer de l'autre. Oh putain, sûrement pas, non? Attends, je vais balancer des coups d'exécuteur dans la gueule. Oh, mais je vais déjà perdre, attends. Je peux pas perdre dès le début du jeu, non? C'est pas possible. Si, si, il y a du skill quand même, les mecs, hein. Il y a un petit peu de skill vite fait, hein. Allez, vas-y, il y reste rien, là. C'est bon. Oh, il y a un petit peu de skill quand même. Faut l'admettre. Eh ben, ouais. Vous serez toujours moi qui gagne. À votre tour de goûter à la défaite. Comment elle s'appelle déjà la race de... Oh putain, c'est quoi ça? Ah ouais, ok, d'accord. Ça y est, les mecs. On passe des nouvelles dimensions, là. Ouais, oh là là. Oh, stylé. Comment elle s'appelle déjà la race de Ratchet & Clank, les mecs? C'est... Merde, les Lombax. Les Lombax, voilà, c'est ça. Je veux dire les renards, mais non, pas du tout. Ouah, c'est ultra stylé, les mecs. Oh là là. Oh, magnifique. Magnifique. Putain, j'ai même pas eu le temps de... C'est moi qui dirige le dragon ou c'est une cinématique? Ah non, je le dirige, hein. Ah ouais, c'est moi qui dirige le dragon et tout. Ouais, enfin... Je le semi-dirige, hein, les mecs, hein. Ouais, je suis arrivé sur un bateau pirate. Oh putain. Oh, qu'est-ce que... Je suis mort. Non? Ou c'était scénarisé? Ou je suis mort? Ah, c'était le scénario. Ok, d'accord. Ouf. Objectif, finir le jeu sans perdre une vie. Je sais pas. Oh, le dimensionnateur. Oh, 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 oh. Oh. Ok. Ah bah là, les mecs, on a tout pété, là. Ouais, d'accord. Donc, Clank qui s'est retrouvé à l'autre bout de la map, je suppose. Le dimensionnateur est... Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça? Oh, je suis avec la petite Lombax. Ok, on change de perso. Ah bah lui aussi, il a changé de dimension. C'est moi. C'est moi. Ah, j'ai réussi. Ah ouais, ok, d'accord. Ah, on est dans une dimension où c'est lui le boss, quoi. Encore
Oui, empereur. Il est communicatif, frère. Il m'a fait marrer. Ratchet & Clank, Rift Apart. Ok. Il m'a fait marrer l'autre dans son siège. Il était mort de rire. Je savais pas pourquoi. Ok, donc en fait, ça vient tout juste de commencer là. Ratchet & Clank, Rift Apart, machin. Il y a eu l'écran de démarrage et tout. Voilà, là. Oh, regardez ça. Ultra stylé. Une Bax. Mais où j'ai atterri, moi ? Ben oui. Ah ouais, et ça reprend sans transition, les mecs. Hein. Alors, où est-ce qu'on est, là ? Ok. Vous n'auriez pas vu un petit robot gris, par hasard ? Les yeux verts, une antenne rouge, parfaitement charmant. C'est stylé, on est dans un univers un petit peu cyberpunk. On peut tomber ? Oh, bah, je pense que oui. Oh, c'est quoi, ça ? Ah bah oui, j'ai plus Clank qui est derrière moi. Un ascenseur ? Ouais, alors attends, avant de le prendre, je regarde s'il n'y a pas des trucs à ramasser. Toujours. Moi, je suis plutôt du genre à fouiller partout, les mecs. Et après, je prends l'ascenseur. Ouais, franchement, il est super bien fait, le perso. Hein. J'espère qu'il y a une bonne nouvelle derrière cette porte. Perso, les décors et tout. C'est vraiment magnifique, quoi. Bienvenue au bazar de mes parties. Comment ça fourmille de détails. Allez, mon gars, c'est parti. C'est limite, hein. Oh là là, et franchement, je prends le temps de regarder, mais on est vraiment dans un univers à la cyberpunk. Ah, oh, ok, d'accord. Tiens, Backlank, il est derrière. Oh, merde. Oh, bah, ok, d'accord, elle se barre. Il faut que je suive ce vaisseau. Comment je peux quitter la planète? C'est une question piège. Seules les navettes royales sont autorisées à partir. Les autres vaisseaux... Oh, mais le fantôme peut t'aider. Laisse-toi guider par la musique jusqu'au club Nefarius et tu le trouveras. Trouver le club Nefarius. Alors, appuyez pour ouvrir la carte. Ah ouais, non, on a une carte. Ah ouais, mon gars. Au fur et à mesure que tu exploreras la planète, des objets à collectionner et d'autres points d'intérêt s'afficheront sur ta carte. Alors attends, appuie sur R pour voir ton objectif. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, c'est là-bas. Ok, trouve le club Nefarius. Bah, ça doit être là. Ok. Objectif, trouve le fantôme. Ah, ok, d'accord. Il doit être par là. Il est où, ce fantôme, là? Je fais quoi, moi, ici? Sur l'objectif, là? Ou alors, faut que je me balade un petit peu... Oh. Ok. Ma première mission depuis Perpète, je me fais repérer. Ah, ok, d'accord. C'était lui, le fantôme. Attends, il est passé par où, le fantôme, là? Ah, ok, d'accord, il est là. Fantôme, attends. Tue-toi, j'étais en plein milieu d'une mission. Bah ouais, bah tu fais quoi, mon gars? Pas de nom. Il devrait être plus malin que ça. Qu'est-ce qu'il fait, là? Pourquoi tout le monde croit que je fais partie de la résistance? Ok. Attends, faut que je le suive combien de... Il est parti où, lui? Ah ouais, ok, d'accord. Il va falloir que je le suive combien de temps, le fantôme, là? Putain, mais il y a du monde ici, mon gars. Allez, on va y mettre un coup d'exécuteur dans la gueule. Il faut que je fasse quoi, là? Faut que j'aille où? Suivre le fantôme. Ah, ok, d'accord. Ah ouais. Ouais, j'avais pas calculé ça, moi. Il est passé par où? Ok, il est l'autre côté. Bien joué. Putain, il est en train de courir partout, le mec, quoi. Attends, il est parti où, là? Je l'ai paumé, il est là-bas. Ah ouais. Des boxeurs, mon gars. Attends, bouge pas. On va leur mettre un coup de pixeliseur dans la gueule. Voilà. Ça, ça leur fait les pattes un peu, je crois. Tu vois? Non? Ah non, eux, c'est pas des méchants. Ouais, bien joué. J'ai pris l'exécuteur. T'assures, le nouveau? TMDR. Genre, il fait l'ancien, quoi. Quoi, ça? Un genre de poignée de main secrète? Hey! Qu'est-ce qu'il m'a fait? J'en fais quoi, au juste? Oh!
paquet, le bleu. Teste le sprint fantôme pour voir. Oh, il m'a passé un super pouvoir. Ah, ok, d'accord. Oh, yes. Ah, ouais. Pas de panique. Serre-toi du gant. Ok. On va aller encore plus loin. Enchaîne un saut et le sprint. Facile. C'était limite. Une navette royale pour trouver mon ami. Tu sais où en trouver une? Chut, on n'est pas en sécurité ici. Reste près. On n'est pas en sécurité, mais je suis bordel quand même. Ah ouais, c'est génial ce sprint fantôme. Putain, j'ai failli me péter la gueule. Appuyez sur R pour afficher ton objectif. Ah ouais. Ouah, ça va être simple, ça, je pense. Hein. Attends, je fais quoi? Je peux monter là-dessus. Ouais, bien sûr. Merde. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ok, ça va, ça passe. Putain, j'y vais vraiment en mode freestyle. Hein. Des fois, je sais pas trop ce que je fais. Oh, attends. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'avais vu des trucs en bas. Il y avait des caisses à ramasser. Oh, bah, et puis, attends, il y a lui, voilà. Ah, il a pas aimé, hein. Oh là là, mon gars. J'ai tellement une chatte phénoménale, quoi. Des fois, je sais pas trop ce que je fais, tu vois. Oh, qu'est-ce qu'elle me dit, elle? Attends. Ouais, j'arrive. Tu veux me vendre des armes? Ouh, amélioration, achat. Bon, je vais améliorer un petit peu tout dans l'ordre. Rafale plus précise, machin. Ok, j'ai plus rien. Ah bah oui, puis j'ai augmenté... J'ai amélioré la précision. La rafale. J'ai un peu tout amélioré, les mecs, là. Appuyez sur L et B pour esquiver. Ah ouais, ok, d'accord. Oh bah t'inquiète. Ça va y aller tout seul, ça. Ils sont encore combien, là? Ah ouais, mon gars! Ah mais c'est qu'ils sont pas mal, en fait. C'est qu'il y a du monde. Ok, niveau 3. Niveau 3 pour les armes. Ah ouais, mais il y a grave de monde, en fait. Wow. Oh putain, mais ils montent jusqu'à là-haut, quoi. Merde. Alors, on va faire le ménage là-dedans, mon gars. Putain, c'est... je vous dis, par contre, c'est le foutoir, des fois. C'est vraiment le foutoir, hein. C'est un peu du cafouillage, quoi, tu vois. Oh, ce carnage que je viens de faire, quoi. Je viens de faire un carnage. Ah, puis c'est pas fini. Ah, mais c'est pas fini, quoi. Ouais, je viens de faire un gros carnage, quand même, là. Waouh, où est-ce que t'as appris ça? On dirait que j'ai touché un point sensible. Bon, un marché, c'est un marché. Ça, c'est Glitch. Elle t'aidera à monter dans la navette privée de l'empereur qui va vers la tour. La console d'accès est dans la grande statue de Nefarius, en plein cœur de la ville. Branche-la, et elle s'occupera du reste. Attends, qu'est-ce que tu fais? Je vais détruire ce monde complètement pourri de l'intérieur. Ok. Il est parti comme un prince. Bon courage, mon frère. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est un méchant, lui? Comment je suis censé me rendre au bazar d'ici? Il s'est fait enlever ou j'ai pas compris, là? C'est les méchants qui l'ont embarqué. J'ai pas tout capté. Bon, et bien, écoutez, les mecs, on va s'arrêter ici, en tout cas. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like. Si vous voulez qu'on continue ou quoi, vous me dites tout ça dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Encore merci à Filmora d'avoir sponsorisé la vidéo. Je vous rappelle le petit lien dans la description. Et puis, nous, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, salut!